Décidément dans le pays ça, nous ka attendre nou tout bagay nan men autorité l'état yo. Nouvelle yo commencé tomber là. Question élection générale dans le pays. Hein? Le m'a parlé de élection générale, ou gen élection présidentielle, ou gen élection législative, ou gen élection municipale. Et pour question référendum, nan, gon nouveau calendrier électoral modifié que CEP a mis dehors. Qui nouveau date yo kenbe? Est-ce que le possible pour élection yo organisé dans même le référendum dans j'en sa annoncé? Qui risque qui gagne? Qui avantage ça ka gagne tout? Pour CEP, c'est à côté de questions, je dis, on vient répondre pour dans l'émission. Et aussi, en prélude avec rapport qui vient pour sortir par bon côté délégation UEA, qui est rentré en Haïti, qui est venu jouer rôle médiateur, monsieur, dans mon position politique, avec le pouvoir, il y a quelques informations qui commencent à sortir en attendant que le rapport officiel là, li sorti, mais encore dit qu'il est venu là. Et pour nous finir l'émission, je dis, Guy Wewe, qui sont animateurs musicaux, lui-même avec courage, lui dit tout ça en pile haïtien, dit tout bas dans la cause politique. Et ça, lui doit attirer attention parce que lui pas facile pour nous joindre. Nèg qui dans musique, je dis, a gen courage pour le dénoncer régime PHTK, pour le dénoncer ce qu'a fait par bon côté. Bandi légal yo pas bon côté ancien président Martelly avec tout acolyte li on ben Guy Wewe avec le courage il a mille de bras pour lui même pour lui faire donc là gien pile information moi porter pour vous mais vite rester connecté pour tande yo. Bonjour bonsoir la famille bienvenue tout le monde m'a rappelé ou sous tag 509 tout haïtien connecté ou dans émission mon éditorial, c'est un grand plaisir pour me laver, pour m'informer de réalité politique pays. Aider à anticiper sous différentes sources d'instabilité qui viennent là. Parce que le calendrier électoral est un bon retardement. Il est déjà pour le pays. Déjà, ma bande, merci pour écoute, pour fidélité, pour support notre travail ici. Là. Continuez à encourager l'émission, encourager le travail ensemble. N'a pas arrivé plus loin. Nous prenons par les pays, nous prenons le débat. Des micro-présentations, c'est toujours même Yannick là, même voix. Rien pas changé. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre chaîne Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Avant même de rentrer dans l'émission jeudi, il paraît tout à fait important pour me positionner par rapport avec quantité rumeur tollé qu'a fait sur internet là sur et maladie ancien président Jean-Bertrand Aristide. Jodi an là entendez président mouri, ancien président il mouri. Quelques jours après entendez c'est pas vrai, ou entendez il gen Covid, ou entendez il pas gen Covid et dans même conflit ça, dans même guerre froide ça, ou joine la presse là-dedans, ou joindre journaliste là-dedans, des directeurs d'opinion, des directeurs d'information qui ont même t'es qu'à utiliser temps, t'es qu'à utiliser énergie pour régler l'autre bagage qui t'es qu'à utiliser société. Jodi an la gonon tak o tak, qui ça la putie l'eau? Maladie coronavirus, ça pas fait pour bête. C'est pour moun ni fait valer grand célébrité qui prend coronavirus, yo cachel. Valé ancien président grand pays qui prend coronavirus yo cachel, valé président grand pays qui prend coronavirus yo cachel, non. Valé chef de parti politique qui prend coronavirus yo cachel, non. Coronavirus jodi an la, li pa gen figure, pa gen étiquette, li pa gen moun ni pa prend. Pa gen moun ki pa infecté par virus sa, jodi an décidé la go non conflit pour ap défendre ancien président. Les dés sont jetés et jodi an la que l'ancien président Jean-Bertrand Aristide que le ta gen Covid, que le pa ta gen Covid, que le ta mouri, que le pa ta mouri, ça pa changer en rien avec réalité politique n'a vive là. Ça pa changer en rien avec misère pays, ça pa changer en rien avec extrême pauvreté pays. Ça pa changer en rien dans question insécurité parce que nous comprenons ni maladie pa tomber sous pied bois, c'est sous moun ni tomber.
Et d'ailleurs, Aristide Baron, c'est Aristide Baron, ange, c'est mon île, camarade, c'est mon île, camoui. Donc, je dis en là, faut que monsieur commence, ouais, pas de nécessité pour y faire paquet tous les ans sur Internet, là, pour y faire paquet tous les ans en radio. Alors que tout ça pas petit, nous merde. Je dis en là, l'important ou même pour focus sur pays, hein, focus sur tête, focus sur futur, sur avenir. Mais on nous suspend, quitte mon ap divisé, nous, yon même pour yon unir. Donc c'est ça pour nous connaître. La valasse avec allié lui te dit que gouvernement pas de ba ancien président passeport et finalement malgré l'interdiction de déport sur lui, tout moun wèl te prend avion, li parti la Cuba. Donc c'est même gens tout. Si ancien président Jean-Bertrand Aristide mouri, bonjour tout moun ap konnen mouri. Donc jodi an la an nou focus sou sa ka putil nou. Débat sa fondement ça ou pas putil nou rien. Donc là an nou passé sou li. M'bral rentre dans l'émission là, sous ça qui concerne le calendrier électoral modifié que CEP a mis dehors. Ça pour qu'on ait deux dates d'élection, ça pour qu'on ait deux dates référendum, ça pour qu'on ait deux inscriptions, ça pour qu'on ait deux registres électoraux qui rouvrent là encore. Donc, on paquet de bagaille pour qu'on ait. Donc, on va aller. Conseil électoral provisoire, li sorti calendrier opération électorale pour année 2021 là. Qui gagne là-dedans? Élection législative, élection présidentielle, élection municipale, locale et référendaire. Donc là, il y a élection générale qui a été organisée dans tout le pays et en même temps, il y a organisé référendum. C'est la première fois dans l'histoire du pays là pour entendre que l'élection a été organisée même là avec référendum. C'est une première fois. Est-ce que ça marchait? Est-ce que le pape marchait? Est-ce que le pape vient susciter plus d'instabilité en dedans pays? Est-ce que le pape va mettre plus de désordre? C'est ça que nous allons regarder ensemble. Premier sac dans le calendrier électoral, c'est question décret électoral. Donc, on est pour l'élection qui est faite. Il faut un décret électoral qui invite la population à le voter. Et dans le décret électoral, ça, c'est lui-même qui prend le dos, mais qui rôle et CEP en gain, mais qui mission et chaque membre en gain, mais qui ça doit être fait avec superviseur, assemblée départementale, mais qui ça qui doit être fait avec membre, qui prend organiser tout ça qui a passé en dedans CEP. Donc, de 28 juin jusqu'à 4 juillet, ce moment ça, CEP a gagné devant pour le fin élaborer décret électoral là, pour l'acheminer, pour le voter par le président de la République là, pour lui-même, pour le publier dans le journal officiel Le Moniteur. Depuis le décret a sorti là, nous avons assuré nous que l'élection tête droite dans le pays. Donc, c'est ça lié. C'est le premier point qui gagne dans le calendrier électoral là. Deuxième point qui gagne dans le calendrier électoral, c'est question fermeture de la liste électorale générale. Ça nous relève les registres électoraux. Donc là, jusqu'à date, tout le monde qui peut faire 4 électorales pour aller voter, hein? Donc jeudi, on va faire 4 dermalogues là. Ou gagner jusqu'à 13 août pour ne pas faire 4 électorales pour ne pas participer dans le registre électoral. Donc, tout le monde qui peut avoir un code dermalogue, tout le monde qui peut avoir un code d'identification nationale, ça nous est les codes électoraux, nous même, non? Vous avez accès, vous avez possibilité de courir à le faire. Et moun sa yo qui fait code là, de jodi an la, jusqu'à 13 août, moun sa yo a ka participer dans l'élection, a ka participer dans le référendum, a ka voter. Troisième bagarre, c'est question liste électorale qui est disponible. Donc, dans la date 12 septembre qui vient là, CEP a pral konnen tout le monde net qui a kote nan men yo, tout le monde qui recevoir kote, tout le monde qui a une chance pour participer dans l'élection, qui a une chance pour participer dans le référendum. En quatrième point, CEP li prévoit inscription des partis et groupements politiques. Donc, de 6 juillet 2021 à 20 juillet 2021, c'est 15 jours ouvrables que CEP lui-même li disponible pour recevoir inscription parti politique, inscription groupement politique. Et après, yo pral fè gestion de candidature dans date qui 16 juillet pour arriver dans 9 août. C'est à partir de 5e point ça le 16 juillet que tout le monde qui voulait venir inscrit pour candidat que pour président que pour sénateur
que ou pour député, que ou pour magistrat, que ou pour kazek, que ou pour anzek, ou a vin inscrit pour ka participer dans l'élection kap gen pou fèt yo. Et en sixième point, c'est formation du personnel vacataire. Personnel vacataire, c'est moun kap gen pou participer dans l'élection, c'est moun kap gen pou participer dans référendum. Yo a fèl de 16 août jusqu'à 23 septembre. Donc, 39 jours ouvrables pour yo former personnel yo, pour yo former moun kap nan bed, moun kap nan bec, moun kap nan bureau de vote yo, pour yo former yo. En septième point, c'est acquisition de matériel électoral sensible et non sensible. Donc là, 14 août jusqu'à 2 septembre, CEP a gen devant 20 jours pour li recevoir bulletin, pour li recevoir urne, pour li recevoir isoloir, pour li recevoir maillot. Donc on ensemble de matériel k'ap gagner pour yo utiliser dans élection, pour yo utiliser yo dans référendum nan. En 8e point, c'est accréditation des mandataires et observateurs nationaux et internationaux. Donc tout moun ki vle vini vin jouer rôle mandataire, vin jouer rôle observateur dans élection k'ap fèt yo, dans référendum k'ap gen pou fèt lan, yo gen de 1er août jusqu'à 19 septembre pour yo vin inscrit dans CEP. Donc c'est 50 jours. Maintenant, c'est qui rôle mandataire gen? Qui rôle observateur gen dans question élection? Mandataire lan c'est et parti politique yo, c'est groupement politique yo qui yo même pral inscrit mandataire yo dans CEP. Pour qui ça? Mandataire là n'a gen pour mission pour le veiller et bulletin et portil, pour le veiller comment élection a fait dans bureau yo, pour le veiller dans centre de tabulation comment y a compté bulletin et portil là et comment y a compté bulletin groupement politique li là dans là le représentant. Est-ce que élection bien faite? Est-ce qu'il a pas volé bulletin? Est-ce que comptage bien fait, etc.? Maintenant, observateurs nationaux avec internationaux qui ça yo fait, même qui rôle yo gen, yo là pour yo garder tout déroulement processus. Est-ce que l'inclusif? Est-ce que il gen fraude? Est-ce que li que pas de violence qui était faite pour cadrer ces rapports pour instance nationale yo ka konnen qui ça ka passé à travers 10 départements yo, qui ça ka passé dans pays à l'échelle internationale pour toute journée référendum nan, pour toute journée élection k'ap gen pour fête yo. C'est ça que fait gen 50 jours là pour parti politique yo, groupement politique yo, pour moun ki nan international qui vle voye et observateur yo pour yo faire ça. Maintenant, lò fin inscrit dans l'élection, parti ou fin inscrit comme candidat. Donc, faut gen campagne qui fait. En tant que candidat, faut qu'on vienne vendre vision, faut qu'on vienne vendre idéologie parti ou là, faut qu'on vienne faire des promesses de campagne. Peu importe si yop kembe sou élu, peu importe si yop pap kembe, faut qu'on vienne vendre population, image au candidat qui raisonnable, image au candidat qui ka utile, qui ka réaliser de grandes choses pour pays. Donc, dans la date 26 août jusqu'à 24 septembre, c'est 30 jours pleins pour campagne électorale, pour premier tour élection, pour commencer. Et en 10e point, nous avons le jour des scrutins. Scrutin combiné, élection qui pral fait pour président, élection qui pral fait pour sénateur avec député. Et c'est même jour ça en tout, il y a fait référendum. Non? 26 septembre 2021, c'est date ça, c'est jour ça qui kembe pour élection faite, pour référendum faite. Et c'est l'âme de vle venir. Donc, comment nous comprendre pour élection faite avec référendum en même temps? En nous garder ensemble qui danger qui gen la dedans. En nous garder ensemble qui quantité instabilité, qui quantité déblosaille ça ka susciter dans pays. Et n'a songé, toute propagande qui fait pour bail projet nouvelle constitution j'arrête, qui fait un paquet moun nan diaspora te d'accord avec changement constitution, c'est parce que yo te dit pas gen sénateur. Et pour quantité vagabondage, pour quantité zak malhonnête sénateur a réglé pour la plupart nan yo en bas nan parlement, tout le monde était d'accord, tout le monde était bravo. Et avec inclusion que t'as fait, lodi diaspora kounyal ka vin participer, li ka vin député nan pays, li ka voter, li ka élu. Donc tout le monde content, tout le monde a une vision globale pour yo fourer men yo, pour yo aider nan changement pays. Jodi an la, le noir parle n'a fait référendum avec élection et élection qu'a organisé, il a organisé
sous égide constitution 1987 là. Donc là son élection côté que il y a qu'à voter pour président, il y a qu'à voter pour sénateur, il y a qu'à voter pour député. Bien entendu, diaspora yo pas là-dedans. Est-ce que nous prudents? Est-ce que nous comprenons? Élection qu'a organisé 26 septembre, élection ça va organiser sous base constitution 87 là. Et depuis le fait sous base constitution 87 là, pas de question diaspora pral vinn participer dans élection, pas de question diaspora ka député, pas de question diaspora ka vinn voter dans élection. Donc tout doucement, yo prend tout kèr content, tout contentement yo te bay diaspora, yo rale tout doucement yo rale, yo mette l'on kote. Koun ya le élection fait. Premier tour élection fait le 26 septembre. Référendum nan tout, li fait 26 septembre. Admettons que oui passe pour référendum nan. Oui sorti. OK, nouvelle constitution, li pral et prend corps, li pral prend vie. Mais premier tour élection, li fait déjà. Est-ce que kounye a nan projet nouvelle constitution pral gagner des dispositions transitoires qui pral vini, qui pral do OK et nous te gen fait élection pour sénateur étant donné sénateur déjà là, mais comment nous pral organiser sénateur yo? Mais le pape jam ka intégré diaspora encore. Non, pour qui ça? Parce que registre électoral là est fermé longtemps, inscription est fermé longtemps. Même leur constitution ta vinn prend vie. Même leur référendum nan ta approuvé, nou ta voté oui là dans le peuple ta voté oui. Diaspora yo pa jam participer dans élection ka vini là yo, ni dans premier tour ni dans deuxième tour. Nous met fond passer en croix sur ça parce que là CEP a décidé. Gouvernement a décidé qui ça a fait. Et maintenant, même le ta gen yon disposition transitoire qui prend pour sénateur, qui dou que ok élection get en fait premier tour get en fait avec sénateur. Sénateur yo élu, quand même ap gen moun ki élu nan premier tour, ap gen moun ki passé. An gade, comment yo pral agense yo? Est-ce que pral gen des dispositions transitoires nan projet nouvelle constitution qui pral dou oui chaque deux ans? Yo pral renouveler tiers sénat ou bien est-ce que a bon élection générale qu'a fait pour ensemble des sénateurs. Donc en attendant projet final lansoti pa bon côté CCI pa bon côté comité consultatif indépendant pour nous konnen sa k'ap gagner de manière générale dans projet nouvelle constitution on attend. Nous pas participer, nous pas voyer monter. N'ap tann fè yo, n'ap tann sa k'ap di pour nous même pour nous konnen qui côté nèg yo vle aller avec pays. Parce que bien entendu là, depoutan de gen sénateur. Depuis deuxième lundi janvier rivé, nèg yo descend dans parlement, y a toujours cherché en façon, y a toujours cherché en entente entre eux même pour regarder comment depoutan attendé référendum nan et week passé. Pour même groupe sénateur ça, ta descend dans parlement. Yo pral jouer pieds et mains pour amender constitution. Parce que yo pa jamais admettre sous aucun prétexte pour limiter privilège yo, pour limiter sa yo gagne comme intérêt, comme avantage yo a joué en bas dans parlement. Donc son l'autre source de stabilité, son l'autre source de conflit qui pa utile pays en rien et qui a très 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 néfaste pour avancement pays. Donc nous là, n'a veillé nous veillatif et nous pral garder. On nous garder ensemble qui ça yo prévoit, qui ça CEP en dit pour reste calendrier électoral là. Maintenant élection fin faite. Faut premier tour élection, faut qu'il a fait tabulation pour lui. Eh bien 26 septembre jusqu'à 1er octobre, c'est 6 jours à gain tabulation. Et dans date qui 2 octobre là, yo pral faire publication, y a pas affiché résultat préliminaire pour premier tour élection, pour premier tour législatif là et puis afficher qui s'est sorti pour question référendum là. Est-ce que tabulation a bien été faite de 26 septembre élection t'est faite jusqu'à 2 octobre pour avoir un bon résultat dans 6 jours ça, nous pas connait mais nous espérer ça parce que le plus vite que possible élection faite, référendum fait pour nous connait qui côté pays en praler, pour nous connait qui ligne nèg yo vle pran pays, li encore plus important pour nous ka fè prévision de tout ça k'ap gen pou rive.
Est-ce que les oppositions politiques ont pris les bras croisés pour regarder le projet de nouvelle constitution qui en est passé comme ça? Jamais! Yo pap jam fèl. Donc là nous sujet pour nous connait de nouvelles vagues de protestation, manifestation pral fèt pi red, pays lok pral fèt pi red parce que c'est ça yo konn fè. C'est ça yo fè pi bien. Donc n'a pas tant nou aske opposition politique là, li pral sakaje pays an. Mais oui. C'est ça monsieur yo fè. Yo pap chita pou yo parler, yo pap chita pou yo dialoguer. Ouais, nous tande là. Gen feedback yo ki vin jwenn nou, o yo amande pou gen yon gouvernement de consensus. Dat gouvernement, dat président Jovenel a mande pou opposition vini pou yo chita pale, pou yo monte un gouvernement ensemble, yo pa jam fèl. Et malgré pa jwenn et nèg nan opposition modéré a kap vini participer nan question et gouvernement sa. Ou pa jam jwenn moun André Michel yo non? Ou pa jam jwenn radicaliste sa yo non? Et bricouri là que même jeune femme a lié besoin participer dans gouvernement de consensus ça. Est-ce que le possible, est-ce que c'est vrai? N'ap suivre parce que nous là pour nous porter information pour vous. Et pour nous continuer, dans date 18 octobre, c'est le CEP lui-même li pral publier résultat définitif pour premier tour élection que le présidentiel, que le législatif et c'est le santo n'ap konnen ki sak sorti de manière définitive dans cause référendum nan. Est-ce que oui ou non pral gen nouvelle constitution dans pays an? Est-ce que c'est constitution 87 la kap toujours là? Donc 18 octobre tout le monde nous met préparé nous pour nous konnen qui côté nous garde avec sénateur yo pour nous konnen côté nous garde avec opposition politique là avec pays an. Parce que là, toute bataille, nous kawel, c'est pour pas gagner élection, c'est pour pas gagner référendum qui fait, c'est pour pas gagner une nouvelle constitution. Mon aide, c'est transition, transition, c'est ça, au besoin, c'est ça, à demander. Et j'aime toujours dire, l'inacceptable pour un personnel politique dans ton pays, c'est transition pour Bali, alors que dans tous les pays du monde, c'est élection qui baille pouvoir. C'est à travers les urnes, moun prend pouvoir. Donc, question, transition, ça faut que monsieur commence à repenser bagay yo. Inscription pral ouvert là, préparez-nous à l'inscrire dans l'élection, à le faire campagne pour nous venir président, pour nous venir occuper des fonctions électives dans notre pays. Et après, premier tour, résultat au fin bay, CEP pral recevoir encore de nouvelles matériel sensible, matériel non sensible, dans la date 19 octobre. Après, ça pral gen accréditation pral fait encore. Pour mandater pour observateur national avec international et deuxième tour élection li pral ouvè. Mais avant l'ouvè pral gen campagne électorale qui pral fait nan date 21 octobre. 21 novembre 2021 c'est date yo retenu pour deuxième tour élection. Que l'élection présidentielle, que l'élection législative. Et puis élection ça au fin fait nan 21 novembre. Tabulation, tout commencé 21 novembre et puis la fini 26 novembre. 6 jours y a fait, y a compté bulletin. 6 jours y a fait, y a compté vote. Et puis, dans la date 27 novembre, c'est pour la date pour publication, pour afficher résultat préliminaire, deuxième tour élection présidentielle, deuxième tour élection législative. Et nous connaissons, depuis ces élections, qui gagnent, qui perdent. Eh bien, après l'élection fin fait en 21 novembre, 22 novembre, c'est jour contestation yo ouvri. Donc là, tout candidat qui estime que yo prenan vote yo te mal compté, yo perdu nan bulletin yo, parce que mandataire qui nan bureau de vote yo, mandataire qui allé nan centre de tabulation yo, yo la pral dre son rapport, pral dre son procès verbal. Et avec procès verbal ça, candidat li même li kal contesté, résultat CEP li sorti. De 22 novembre à 6 décembre, c'est 15 jours ouvrables que tout candidat sa yo pral gagner pour yo porter contestation devant BCEN, devant BCED, pour yo défendre vote, pour yo défendre bulletin, pour défendre voix, pour yo connaître est-ce que yo son candidat malheureux définitivement ou bien yo te gagner CCEP qui t'a fait coquin. C'est ça oui. Et puis après la publication définitive deuxième tour élection li a fait 7 décembre 2021. Et après, c'est pral élection municipale yo pral fèt, élection locale yo ki pral fèt, pou yo mette magistrat, pou yo mette AZEC, pou yo mette AZEC en dedans pays. Donc là, définitivement, calendrier électoral là, li pari. En attendant, nous tant décret électoral là, li publié, pour nous connaître véritablement, peuple là, yo convoqué
aux élections, yo invité nous pour nous aller voter, pour nous préparer nous pour nous aller voter. Et c'est dans même l'idée ça, présidente CEP, Guylaine Bizadjo, dit fait qu'on est que la travail de concert avec MSPP pour yon mettre campé un guide sanitaire pour yon prendre des mesures sanitaires bien spécifiques qui a aidé électeurs yo, qui a aidé électriciens moun ki pral voter yo, qui a aidé toute population pour yon kal participer dans élection yo, pour yon kal participer dans référendum kap gen pou fèt lan en toute sécurité. C'est vrai, Covid là, faut gagner des mesures sanitaires qui prend, faut qu'yo rive protéger population, faut qu'yo accompagner population pour pas gagner plus dégâts qui fait, pour pas gagner plus monde qui infecté. Mais qu'en est-il de la sécurité physique avec question gang, avec question bandi ça yo? Qu'en est-il de moun martisan, de moun fontamara, qui sent la police pral faire, qui stratégie yo pral employer, comment yo pral accompagner population? Jodi an tout kote passe dans pays, c'est gang, tout kote passe dans Port-au-Prince, c'est gang. C'est conflit armé, c'est bal k'ap pété. Moi m'te estime, m'te attend moi que te gen des réponses qui gen t'a porté avec question martisan, avec conflit qui gen Antibois et Granville, avec problème 400 marozo dans quoi des bouquets. Avec qui problème Badelma? Mais jusqu'à date, tout le monde a regardé tout le monde dans les yeux. Bandi yo yo senti yo confortable, bandi yo yo à l'abri. Pendant la population li même la victime, y a pris bal marron, y a pris bal bien spécifique qui vise yo. Donc je dis là, nous pas connait qui ça nous ka fait, nous pas connait qui ça nous ka di par rapport avec vague insécurité ça. Par rapport avec vague de terrorisme ça qu'a fait en dedans pays. Est-ce que CEP en libre en mesure vraiment pour accompagner population à travers PNH? Est-ce que on va mobiliser l'armée pour accompagner population ni dans jour référendum ça ni dans jour élection ça parce qu'il a fait même jour? Donc là on a ensemble de dispositions qui doit prendre, n'attend que autorité concernée yo réagit. Gen jou toujours 26 septembre gen yon quantité jou devant yo la toujours pour yo prend question insécurité à cœur, pour yo prend question conflit armé sa guerre de gangs ça pour yo prend la cœur pour yo résoudre li si yo vle. Parce que moi personnellement question bonne volonté ça mettel à côté le m'a parler de autorité l'état yo, mettel à côté le m'a parler de CSPN, le m'a parler de direction la police. Parce que nèg sa yo, ou pa konn ki sa nan tèt yo, ou pa konn ki sa yo vle fè avèk vi moun, ou pa konn ki sa yo vle fè avèk byen moun. Yo prefere kite bandi a fè la loi nan peyi, yo prefere kite se bandi k ap bay dikte, alors que se otorite l'état yo, se yo menm anko ki te fédéré bandi. On pense sou te fédéré yo, se pou se kote ka kontrole yo, sou te mete yo ansanm, se pou se kote ka rale zore yo, te ka rale sou kòd lan, mais non. Jodi a m gen impression se G9 famille allié, c'est eux même qui bay dicté en dedans pouvoir l'état. C'est bagay qui grave ça, bagay qui extrêmement grave. Moi t'ai annoncé dans début émission un animateur musical qui passait de présentation parce que tout le monde connaît Guiwewe. Guiwewe lui-même lui décidé prendre position par rapport avec ça qui passé dans pays. Par rapport avec dérive régime PHTK a mis dans dans pays, par rapport avec dérive ancien président Martelly fait dans pays, et que finalement li a mis le courage, li dit ça en pile haïtien a dit tout bas, ça nous peur dit nous-mêmes pour la plupart, parce que jodi an question insécurité dans pays, question instabilité dans pays, tout monde ça a contribué là-dedans, tout le monde ça a participé là-dedans. Et l'entendez ou décide ou prend courage pour dénoncer exaction qu'on a fait dans pouvoir l'état sous ancien président Martelly, ou pas jeune paquet petit chichot, ou pas jeune paquet fanatique li, on paquet partisan zélé PHTK, on paquet partisan zélé et bandi légal yo qui pral vini après pour la pido, yo quand même prêt pour faire violence physique sou, parce que so a dit en estimé. C'est une vérité, mais c'est une vérité qui doit être cachée liée. Ou quand on dit toute vérité n'est pas bonne à dire, bien c'est ça. Donc je dis à là, ou trouve une situation côté nègre, li prétend que li réussit, c'est le gain l'argent. Li prétend li réussit, c'est le gain pouvoir. Mais là retire l'argent dans li, ou retire pouvoir dans li, gardel en tant que moun, est-ce que le pas vide?
Gardez-le en tant que personnage, hein, est-ce que le pas vide. Je tiens alors dit mon prend ancien président de la République ou t'as supposé mettre comme un symbole ou t'as supposé mettre comme un monde qui responsable, comme un monde qui fait fierté en nation, comme un monde qui te gon pouvoir de décision qui carrété dans le temps comme un exemple. Est-ce que président Martelly, est-ce que ancien président ça sont exemplier? Qui a jodi a kadim qui pa kon di bêtise? Qui a jodi a kadim qui pa gon attachement avec banalité? Tout moun gon pa de trivialité nan yo. Mais en nou sérieux. Gon comportement terre-à-terre en moun gen. Gon comportement banal en moun gen. Li pa ta supposé refléter position comme chef d'état, pa ta supposé refléter position comme moun ki gen pouvoir de décision pour toute ton population. M'pa blye, ancien président Martelly tout pendant le sous pouvoir. Li gon kandite bêtise Abdil fon carnaval, c'est bêtise net, dégrader femme, jouer femme et tout entourage c'est même coup de bâton. Jodi a la moun sa yo avec tout régime PHTK, nous konn ki quantité exaction, nous konn nan ki quantité corruption dans yo cité, nan ki quantité violence dans yo cité. Mais est-ce que ça suffit pour ta di ou ka voye moun sa yo pour un petit pause, ou ka voye moun sa yo non coin? Non, parce que peuple haïtien, m gen impression nou accaparer nous, nou approprier nous de tout ça que pa ta supposé sou moun, de tout ça que pa ta supposé privilégié, de tout ça nous pa ta supposé bay valeur, mais tellement nous banal, nous prend pour bon. Et moi rejoindre Guy Wewe dans tout ça di yo, parce que c'est vrai. Tout ça wè Guy Wewe di la yo, c'est tout ça moi même m'te ka di. C'est tout ça on l'autre monde qui comprend réalité pays qui a un mêle de courage. T'es ka di tout. Parce que faut que nous calmer nous de courage pour nous dire ça doit dire pour nous dire vérité. Jodi an la faut que nous suspend jouer au chat et à la souris. Faut que nous suspend jouer avec gens sort de gens l'esprit. Et c'est dans piège ça on a toujours prend nous parce que nous remet apparence, nous remet faire semblant. Jodi an faut que nous prenons responsabilité nous comme moun. Gen moun ki pa ta dou sou moun, gen moun nou ek semblan moun, mais yo pa moun. Jodi an la nou gen génération future yo ka vini, ki sa nou ka bay comme exemple? Ki moun nou ka bay comme exemple? On a parlé de leader politique. On a parlé de nèg ki ta fè politique nan peyi an, de ancien président. Ki moun nou ka bay comme exemple? Ki moun nou ka encourager yo suivre? Li extrêmement important pour nous connaître qui ça nous voulait faire avec pays, qui ça nous voulait faire avec tête nous, avec vie nous. Jusqu'à date la génération qui a venu là yo. Pas gen moun nou ka prend comme exemple dans question politique dans pays là. Ça qui volé, ça qui nan corruption, ça qui nan malversation, ça qui nan tuer moun, ça qui vinn cacher des fonctions, yo fait d'une manière ou d'une autre chaque moun sa yo gon grand zanno sale. Gon grand chosette sale que y a caché dans politique là. Et gè de moun jou ta konnen ki sa y a régler des fonctions, des postes ya, ou ap tout kite peyi, ou ap mande fou parce que c'est des moun nou te prend pour exemple et finalement ou pral saisi ou moun sa yo. C'est moun ki pa ta supposé sou moun yo. M'ap invite ou tande ensemble avec intervention Guy Wewe et tout de suite après m'ap retourné. Ki intelligent comme ça. Gon nèg yo le Michel Martelly. Et qu'on deuxième monde qui vient là, qui est le blond de Ferdinand. C'est ça que fait avant de faire un débat avec un ami. Zami a dit, oui, Michel Martelly est son grand chanteur, grand artiste. Je me dis, monsieur, c'est faux. Monsieur dit, mais ça qui fait ça. Oh, Michel Martelly, c'est 17 albums. Je me dis, c'est faux. Michel Martelly est son bon musicien, bon chanteur, mais il n'est pas un grand chanteur. Personne n'est pas un grand, sous pas un impact sous l'avenir de la société. Ou pas un grand. Sou pa gen impact sur avenir société a. Ou pa ka grand pour nous pétiner valeur sociale yo. Ou pa ka grand pour ti moun pa ka apprendre de ou. Donc dans domaine ou rien, ou pa ka grand pour on génération pa ka suivre ou comme on grand là. Ou ka réussi, mon pa ka grand. Ou pa ou ka réussi, ou pa ka, mais on te dit ça encore une fois, Michel Martelly son monde qui plein talent. Mais Michel Martelly, pour moi-même, par rapport à choix de vie, il est un expert en bêtises.
Mais qui bêtise Michel Martelly a dit on est qui bolari a pas qu'a dit. Mais voilà mon nèg du bêtise non mais qui sort dit qui j'ont dit couper Chloé t'a dit bêtise. Richie dit bêtise, grand pilote artiste qui dit bêtise dans musique. Mais il dit avec art. Mais l'on est pour un bagaille qui semble n'importe monde bolari a café ou copier textuellement position ou amplifier sans effort pour faire le codifier ou faire le paraître aux gens et pour dire ou grand qui soit grand là parce qu'on a capacité pour dire bêtise. Parce qu'on a une couille pour dire au monde entraîner maman au monde et ça qu'il faut grand là. Ça qu'il faut grand là. Son artiste qui réussit carrière, son artiste qui réussit économiquement, son artiste qui fait tout bagaille, mais grand monsieur, c'est pour nous prendre tout album yo, bye petite nous tendez yo. Pour qui ça Michel Martelly tout grand ça puis Sandro va suivre lui. Grand artiste pour que ça Sandro Martelly va suivre lui. Moi ouais tiens si toi qui suis pas parle comme qui bodis. Moi c'est ça moi même. N'a pas dire parce que monsieur président de la République monsieur président tout temps monsieur a réussi plus nous ignorants plus nous imbéciles c'est ça qui fait la réussir pour qui ça monsieur est grand là joue au Canada et puis il pas rentrer au Canada pour qui ça donc Michel Martelly joue sous ignorance nous sous imbécilité nous il rivait côté le rivière succès personnel il a réussi dans sa vie. Il a réussi dans sa vie. Et il est clair. Monsieur réussit dans la ville. Mais parce qu'il réussit dans la ville, ils sont grands. Non, grands pour tête, les familles. Donc je dis à la, si on a parlé de Maurice Sixto qui mourit, et puis nous avons des textes de Maurice Sixto, nous attendons jusqu'à aujourd'hui, qui sont grands. On a parlé de Franck Etienne, on a parlé de ensemble de grands, grands. Bah, on est même, ensemble de, on a parlé de Daniel Aferia qui est grand, et puis on a parlé de même là quoi. On dit sur le plan musical. Michel Martelly grand. Bon mon impact Michel Martelly fait qui peut des musiques haïtiennes avancer, bon mion. Bon mon bagage Michel Martelly fait sur le plan musical qui peut mettre musique haïtienne aller plus loin. Tabou Combo fait monsieur. Karim Fell. Mickey bon chanteur. Michel Martelly bon chanteur mais pas grand chanteur. Choubou grand chanteur monsieur. Timano grand chanteur monsieur. Mais si je ne peux pas dire ça, monsieur, mais moi-même, je m'a dit parce que je suis aura, je suis micro, je ne peux pas quitter jeunesse haïtienne. Viens là, à baffer moi parce qu'on a réussi. Et ça fait nous prendre un Jovenel là. Ou pas que Jovenel mette nous, oh, tu n'es pas pareil, nous, lui semble nous. Non, n'est pas réussi personnellement, mais le package est un pays. Mais résultat. Mais résultat. Mais résultat, Jovenel là. Quand on va dire c'est pas moi, c'est opposition. Les seuls Haïti qui ont opposition, la France qui a opposition, États-Unis qui a opposition, tout pays dans le monde là qui a opposition. Dès que ça n'a pas les mondes là, de demain matin tout, nous parlons conseil des mondes là parce qu'ils ont fait l'argent, ils ont grand. Non 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 non. Monsieur Bia ici grand, la rose grand, et puis on a dit Michel Martelly grand tout n'est qui ça, grand chanteur n'est qui ça. C'est Michel qui voulait prendre le personnel, ça c'est lui. Moi-même, le critique que je fais, je fais ça. Je ne peux pas quitter jeunesse là, je vais tomber là. Je suis réussi ville, je suis réussi carrière, je suis réussi la ville, famille, petite li. Ou pas qu'à grand pour savoir faire, petit ou pas même le faire comme un grand. Oh oui, Michel Martelly qui a capacité de chanter, le compte chanter. Oui, monsieur, bon, bon chanteur, bon bagaille. Mais grand, il faut me garder qui est pas pour faire sur la société. Qui ça ou qui te pour génération qui a vini? Qui ça nous a imité de monsieur? Dis mon bagay nous a imité de monsieur. Toute réussite monsieur yo personnel. Il y a une famille qui stable. Il y a des amis personnels qui stable. Réussite personnel, mais pas sous société. Président de la République, 10 dernières années, puis acheté KOP, il y a une plus pauvre. Mounio vin pi pauvre, c'est ça n'a pas lé. Quand ça n'a pas dit à la, monsieur, parce que n'a pas lé fort, nous pensons qu'il y a raison. N'a pas gen raison. C'est yon qui met un paquet de jeunes dans la génération là, de yon, particulier jusqu'à ce que pour Amérique a dit, ah, comme pays nous n'y a, gen problème de sécurité, nous mettre rete là, m'a le bon non, 18 mois. Mais son honte! Pour ce qu'on s'est accueilli nous aux États-Unis, m'a le bon non, 18 mois pour nous travailler. Mais son honte, ça y est. C'est pitié au fait nous. C'est comme si nous avions un gros morceau de gâteau sous table là. Il y a coupé gâteau
Et puis Timo, ce gâteau qui tombe à terre, nous avons ramassé, nous sommes contents. Des miettes. Nous avons ramassé des miettes de gâteau sur une grosse table. Et puis nous contents, mais pas que nous sommes contents là, mais. C'est mettre des graines sur, mettre des bérégènes. Pour cette bérégène, pour ne pas prendre encore dans le pays, amen. Son honte pour ce qu'on s'est dit, on a dit haïtien, 18 mois prolongation. Et puis pendant ce temps, nous prenons. M'a gen grande chose m'a dit. Guiwewe dit tout ça te supposé di yo et j'aime te dire la mou rejoindre considérablement mou rejoindre totalement à 100% dans tout ça di yo là. C'est comme ça m'a mettre un bout dans émission mon éditorial pour jodi a. M'espérer que ou apprendre en pile bagarre. Ou apprendre sous question élection sous calendrier électoral CEP en mité de yo a ou apprendre de question référendum nan kap gen pou fèt même là avec élection qui risque qui gen la dan et comment ça ka tourner yon facteur de turbulence pour pays an et n'ap gade ki sa CCI pral mete de yo très prochainement comme projet final sous projet nouvelle constitution. Donc m'invite ou rete connecté avec channel lan, rete connecté avec émission mon éditorial parce que ou gen en pile bagay pour apprendre. Principe lan li pa changé, continuez partager émission avec tout contact ou. Kite un commentaire, kite un like. Rendez-vous en li kase pour demain sous même chaîne nan même l'heure. Pour l'autre sortie de mon éditorial. Des micro-présentations, c'est toujours même Yannick, la même voix, rien n'est pas changé. Merci tout le monde, à très bientôt. Mon éditorial. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Émission mon éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial, sorti lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, monsieur Chanel par là pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial, nous prenons la balle et pays, nous prenons le débat, c'est toujours même Yannick, l'on même voit. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre chaîne Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus.